Small, four times. After, and tac. Uh-huh. Ok. Et tac. Tac. Small, tac. Tu parles bien mongol. Tac, tac. Tac, tac. Small, tac. J'aime bien quand t'es là parce que tu comprennes que le, tu vois, le rapport à l'image, comment il est important, tu vois. Une fois que tu viens d'un peu au stade de montage, que tu comprennes que nous aussi, mais le rapport à la musique est important quand on fait le montage. Oui, mais non, mais c'est... sur un film qui n'a pas de, commentaires. Mais alors non. Et ben alors. Non, mais c'est quoi? Ça change quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça change que le montage est accroché là. Ouais, ouais, mais sauf que... Bon, on va recommencer, ça fait trois ans qu'on en parle. Oui, mais trois ans qu'on a cette discussion-là, donc... Avec Armand, on a eu un gros désaccord dès le départ. Moi, j'aurais aimé qu'Armand nous compose une intention de musique avant, afin qu'on puisse monter les images sur la musique. Et Armand, pour différentes raisons, aussi parce qu'il ne travaille pas comme ça, ne voulait travailler sur le film que les images réalisées. Ça n'a pas été fait comme ça, parce qu'il dit qu'il est incapable de composer sans images, ce qui est faux, parce qu'il a fait un oratorio formidable sans images. Tout de suite, quand j'ai vu les premières interviews, je me suis dit, ça peut pas être juste de la musique comme ça. D'ailleurs, je me suis assez battu avec Yann. Il comprenait pas le fait que je donne pas de musique avant. Lui, il aurait aimé monter ses aériens avec de la musique, mais je croyais que ça voulait rien dire. Je regardais les chanteurs qui venaient, qui chantaient sur les images. Alors peut-être qu'en effet, il y avait une raison, tu vois, que l'émotion... parce qu'en fin de compte, il compose vraiment sur les images. Armand et moi, on est très amis, on est amis pour la vie, on est amis, c'est fusionnel, quoi. C'est quelque chose de particulier, tous les deux, on s'aime, on échange beaucoup de choses, on a une sensibilité à fleur de peau. Et puis Armand, c'est lui qui m'a amené au cinéma, quoi. C'est lui qui m'a dit un jour, tu devrais faire un film. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui est... Enfin, qu'il y a quand même, parce qu'il y a de la nostalgie dans le film, c'est obligé, et en même temps qu'il soit pas enterrant, quoi. Je me suis dit, tiens, ça serait génial de faire une sorte de... Avec le film de Yann, une sorte d'opéra, en fait, où le livret, c'est les gens qui racontent l'histoire, et où l'aérien était vraiment le moment où l'instrumental pouvait se développer. Moi, j'ai besoin de la musique d'Armand sur mes images. Il y a des gens qui devraient changer, mais non, j'ai pas du tout envie de changer. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de voir mes images sur autre chose que la musique d'Armand, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est une association très forte et que c'est mon identité sonore de mes films. Et lui, par contre, il est pas sympa parce qu'il fait d'autres films avec d'autres réalisateurs. Voilà. 3, 4 et...